La huitième journée de ce championnat national se termine ici, sur la pelouse du stade Robert Diochon, le FC Rouen face au FC Versailles. C'est plutôt bien pensé de la part de Clément. Ahmad Allé vers l'avant avec ce ballon et c'est enroulé magnifique d'Hicham Benkaïd. L'horizontale signée Sébastien Reynaud. Le nouveau centre et la tête de Valentin Sanson. Ça dépeuple un peu le front de l'attaque côté rouennais qui y reste pour l'instant. Il a été trouvé entre les lignes avec le petit rebond. Mathieu Millon avait suivi. Le seul petit côté positif pour ces deux équipes si le score en restait là. Attention. Alors qu'on va suivre Diawoy Diarra dans cette surface de réparation. Pas de position de hors-jeu en retrait. C'est intéressant pour Hicham Benkaïd, servi par Hicham Ferra. La montée de Méli Altikulak en retrait, c'est bien fait. La frappe en force, pied gauche qui passe à côté et on n'ira pas plus loin. On en reste là. 0-0 à la pause ici au stade Robert Diochon. Sur l'injustesse technique, c'est une mauvaise réalisation. Méli Altikulak vers Freddy Mbemba et derrière la frappe puissante de Tom Renaud. Tom Renaud, le décalage vers Freddy Mbemba qui travaille devant Bassin. La frappe croisée. Oh, quel arrêt de Lucas Royes. Allez, Sami Bagdadi qui a du champ pour avancer. Il a levé la tête, il est rentré dans cette surface de réparation. Le pied gauche de Sami Bagdadi, ça passe juste à côté. Et c'est reparti pour Sami Bagdadi. L'appui sur Freddy Mbemba. Sami Bagdadi et les gants et les pieds de Lucas Royes. Nouvelle occasion pour le numéro 10 versaillais. Freddy Mbemba avec Sami Bagdadi, ça revient. Et c'est capté en deux temps par Lucas Royes. Et chaque gardien a sa mi-temps finalement. C'était Sébastien Reynaud en première et Lucas Royes en seconde. La réponse du FC Rouen avec Benkaïd et Hicham Ferra. On va voir comment il a géré cette période-là. Allez, Tonneau s'est retourné à armé. Ça passe à côté et ça a été touché par Sébastien Reynaud. Donc du coup le bloc versaillais a reculé et ça permet à Rouen d'avoir la main mise sur le ballon de nouveau. Et cette situation, ça a été bien coupé mais Aït Moujane avait jailli. In extremis, la défense versaillaise sur un fil. Hicham Ferra, la frappe sur la barre. D'Hicham Benkaïd sur la barre transversale, quelle occasion! Pas facile de grappiller beaucoup plus de temps de jeu derrière Diarra. Hein. C'est vrai qu'il est performant. Et là, on tente de se retourner. Pourquoi pas Christ Letonneau? Justement, on parlait de lui. Il s'illustre, mais sa tentative passe à côté. Et pourquoi pas avec la vitesse de Freddy Mbemba entre Karamoko, deux joueurs. Il y va tout seul. Et il l'a oublié. Hicham Ferra à la baguette. Le pied gauche au premier poteau, c'est renvoyé en deux temps et on va en rester là. Match nul 0-0 entre le FC Rouen et le FC Versailles. Pas de vainqueur, aucune des deux équipes ne décolle au classement.